Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver ce matin 28 décembre. Nous sommes le jeudi. Donc, comme chaque jeudi, je suis très heureuse de vous accompagner pendant une heure et demie dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous recevrons bien entendu, comme chaque jeudi, Mina Abed qui nous donnera le programme des sorties pour cette fin d'année et pour peut-être le début d'année aussi 2024. Nous parlerons des activités, cette fois-ci, des activités pour les enfants et nous allons donc recevoir une école d'art. Ça sera Nessima Badache. Elle sera là ce matin avec quelques enfants pour nous présenter un petit peu le programme et toutes les activités qu'elle propose aux enfants pendant ses vacances et en même temps aussi pendant toute l'année. Nous parlerons d'une agrume aussi, hein, qui est une agrume phare que l'on retrouve sur nos marchés, qu'elle soit dans les arbres ou sur les étals, elle nous donne envie. J'imagine que vous avez deviné, c'est bien entendu l'orange. On parlera de ce fruit de saison avec Biram Fatiha. Elle sera là ce matin et nous donnera un peu plus de détails. Nous irons aussi donc ce soir au TNA, puisqu'une pièce de théâtre va se jouer ce soir. Ils nous viennent de Annaba. Et donc, nous parlerons de la pièce de théâtre de ce soir. C'est Halak et Shbilia. Nous aurons plus de détails tout à l'heure. Nous évaderons un petit peu. Nous irons vers le mont du Durdura. Et nous aurons Lounès Miziani. Donc, il est guide de montagne. Il nous parlera des sorties, de toutes ces sorties qui sont organisées, que ce soit des randonnées ou même du bivouac. On verra les dangers de la montagne et surtout comment se comporter dans ces lieux. Et donc, nous finirons avec Nourdine Kadour. Donc, lui, il est le directeur d'une agence de voyage. Nous verrons comment la promotion de l'Algérie se fait à l'international. Voilà donc pour ce matin. Et bien entendu, on commence toujours avec Mina Abed et les nouvelles du ciel. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. مينا بونجور. بونجور مالي, بونجور à tous. Ravi de te retrouver. Il fait un peu froid quand même le matin, les températures sont assez basses. Beaucoup d'humidité aussi. Oui, énormément. Beaucoup d'humidité, effectivement. Alors, quel temps il va faire aujourd'hui? On va le découvrir tout de suite. Bonjour à tous et très bon réveil. Beaucoup de brouillard, un taux d'humidité assez élevé pour cette matinée sur l'ensemble des régions nord. Et puis, le ciel restera plutôt dégagé. Peu nuageux sur le centre et la partie est. On notera des passages nuageux vers les régions intérieures. Possibilité de quelques faibles pluies, notamment vers les oasis. Et puis, on notera de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord des températures qui vont varier entre 18 et 20 degrés. On notera 15 degrés à Sétif et Constantine, 18 degrés à Tizi Ouzou, notera 16 degrés du côté de Tiaret, ainsi qu'à Chlef et Rilizen, 18 à Tlemcen, 13 degrés à Djelfa El-Bayad et Naama, 17 degrés à Khardaya, Bachar, Hassim Saoud. On notera 22 degrés à Tindouf, 19 degrés à Adrar, 22 degrés In Salah et enfin 27 degrés à Port Majdi Mourtal et In Gezzen. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. Encore une fois, très bonne matinée et à tout de suite. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et nous continuons avec une chanson pour démarrer, donc une chanson palestinienne, c'est Philistine Biladi. Mina Abed qui va nous donner donc le programme des sorties pour la semaine. Oui.
Un Alors? programme plutôt riche hein, pour ces vacances d'hiver. Bon, il y a les sorties cinéma, on en avait parlé la semaine dernière. Hein, beaucoup de nouveautés, des sorties cinéma du côté d'Alger, notamment à Riyad el-Fateh. Et les musées hein, ont un programme plutôt riche hein, pour les enfants et même pour les adultes hein, pour ces vacances d'hiver. On commence avec le musée du Bardo. Hein. Ça a commencé le 21 décembre. Ça va se poursuivre hein, jusqu'au 7 janvier avec plusieurs ateliers. Un atelier d'art rupestre, un atelier de fouilles archéologiques et bien sûr un atelier de tatouage traditionnel. Donc ça se passe en ce moment au musée du Bardo et ça va se poursuivre jusqu'au 7 janvier. On continue avec le musée des Antiquités qui organise chaque mardi de 13h à 15h hein, des ateliers pour enfants et chaque lundi de 10h à midi. Cette fois-ci, c'est pour les adultes, donc plusieurs ateliers, un atelier mosaïque, peinture sur bois et céramique. Continue avec le musée Ahmed Bey de Constantine, donc qui a commencé le 25 et ça va se poursuivre jusqu'au 2 janvier. Donc plusieurs ateliers pédagogiques hein, pour ces vacances d'hiver. L'exposition, on en avait parlé déjà, l'exposition Vibrations chromatiques de Abdelhalim Selami se poursuit à la Villa Abdeltaif jusqu'au 31 décembre. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore partis, allez découvrir hein, cette belle exposition. Une exposition à l'occasion de la journée arabe se poursuit jusqu'au 11 janvier à la galerie Hangar du côté de Garden City et un vernissage le 2 janvier. Donc le thème c'est Voyage au cœur de la couleur. Donc un vernissage, vous l'aurez compris, avec plein de couleurs, donc mosaïque de couleurs à la galerie Mohamed Rassé, mais ce sera une exposition duo. Donc Voyage au cœur de la couleur, donc ça va se passer à partir du 2 janvier. On continue avec le festival hein, culturel national du théâtre professionnel qui se poursuit jusqu'au 31 décembre. Alors, pour aujourd'hui, le 28, donc à 15h, la pièce Safar au théâtre régional de Laouat et à 19h, le Barbier de Séville au théâtre régional d'Annaba. Continue avec la date du 29, donc à 15h, la pièce Africa au niveau de l'association culturelle de Mostaganem et à 19h, Taht al-Hissar, donc une pièce qui va se dérouler au théâtre régional de Skikda. On continue le 30 à 19h, la pièce Révolution au théâtre régional de Sidi Belaabbès et Myriam. Faut pas oublier, comme chaque année, la journée sans voiture. Ah, ça sera vendredi matin. Ça sera le Ah, je vendredi, connais le ça rendez-vous. sera le 29 et le 5 janvier. Très Donc, deux dates à retenir, le 29 et le 5 janvier. Donc, deux journées sans voiture hein, du côté d'Alger. Une excellente occasion hein, d'aller profiter de nos belles rues Oui, hein, effectivement, donc d'Alger, justement. De pouvoir marcher sur la chaussée Bah, en toute légalité. En toute légalité et tranquillement, sans Oui, avoir peur des c'est ça. voitures. Effectivement. Donc, c'est vrai que ça, chaque année, ça draine énormément de monde et de Il y a plus en plus, énormément de monde. on adopte un petit peu cette initiative. Hein. Exactement. Voilà, donc vraiment pouvoir se Excellente balader en initiative. toute tranquillité à Alger. Tout à fait, Voilà. et c'est bon pour la planète. Bien, Moins de pollution. bien entendu, Donc je rappelle les effectivement. dates, le 29 et le 5 janvier. Très Voilà. bien. Donc pour les sorties cinéma, tu nous avais déjà donné les dates, Donc les c'est à sorties peu cinéma, près toujours les mêmes. c'est toujours les mêmes. Hein. Donc le film Les Trois Mousquetaires, Milady, ou encore le film Wonka. Aussi, et Aquaman, la cité perdue, donc toujours en salle en ce moment. Donc, pas de nouveauté hein, pour cette semaine. Toi, tu as été sans moi au cinéma. Tu es partie voir Je suis partie Napoléon. deux fois, j'avoue. J'avoue, je suis partie deux fois. C'est vrai que. Alors, qu'est-ce que tu en pensais du film? Très, très beau film, hein, excellent acteur. Très bien, Voilà. d'accord. Et C'est des films à découvrir. Hein. C'est toujours au niveau du agréable. public, comment qu'était la salle? Comble. Bon, j'avoue qu'il y a un peu plus de public hein, pour les films comme Wonka ou Aquaman. Il y a un peu plus de monde. Très bien.
Mais sinon, franchement, c'est des films à voir et c'est des films que je conseille. Très bien. Donc voilà, on suit les conseils de Mina, j'irai le voir. Très bien. Bonne idée. Merci Merci. beaucoup Mina. Et donc je vous propose tout de suite de suivre un sujet de Lila Bneicha. Le commentaire est de Flab North, c'est un atelier de poterie. On regarde et on revient juste après. Apprendre en s'amusant. Tel est le concept de l'école d'art et d'apprentissage à travers notamment l'atelier de la connaissance. Ici, plusieurs activités sont proposées aux enfants durant cette période des vacances scolaires. Un espace qui a pour seule limite l'imagination et la créativité. L'atelier poterie en est le parfait exemple. On a remarqué depuis qu'on a mis notre annonce sur Facebook, on a eu pas mal de demandes. Les parents sont les premiers à être intéressés, c'est-à-dire ça permet aux parents déjà d'occuper leur enfant et aussi de le laisser découvrir l'argile, de pratiquer, de modeler avec la main. Surtout les enfants, ils adorent tout ce qui est fait à la main, donc ça leur permet de faire sortir leur énergie. Ils ont entre 5 et 13 ans. La plupart d'entre eux découvrent cette texture à mi-chemin entre la terre et la pâte à modeler. Aucun doute, la matière suscite la curiosité. Quelques notions sur l'argile, son origine et ses propriétés s'imposent donc, avant de malaxer, modeler et enfin créer. On leur fait une petite présentation, c'est-à-dire théorique, de c'est quoi l'argile, d'où il vient, comment le préparer. Et par la suite, on passe à la pratique. J'arrive pas à y croire que j'ai fait ça. Je suis tellement choquée par le résultat qui est bien fait. On peut faire plein de choses qu'on aime. Et c'est bien. À part un petit problème qui me chiffonne, c'est que nos mains sont tout le temps sales après. Alors, je suis en train de faire un arbre. Parce que j'ai choisi de faire ce portrait parce qu'on est en hiver. Et en hiver, les arbres n'ont pas de feuilles. Chacun choisit le modèle qu'il a en tête, d'essayer de le réaliser. Et ça leur permet de développer leur créativité. Mais au-delà de l'apprentissage, cet espace offre à nos artisans en herbe un véritable moment de partage. J'ai adoré. J'adore cet atelier. Car on peut s'exprimer et faire beaucoup de choses. Ça m'apprend des nouvelles choses et j'ai eu le droit de partager et de parler à mes camarades. C'est rigolo. Ludique, mais artistique également. Ce qui est sûr, c'est que les enfants partiront fièrement avec leurs œuvres d'art. Un moment. Voilà, alors de retour sur notre plateau. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de nous installer. Rejoint ce matin, on va commencer par les plus petits. Rabah, bonjour. Bonjour. Maman. Comment vas-tu, Rabah? Je vais très bien. Alhamdoulilah. Donc, Rabah, Zertit? Oui. Très bien. Donc, on est très contents de te recevoir ce matin. Merci. Nous avons aussi Amine Alad. Comment vas-tu, Amine? Très bien. Bien. T'es content d'être là? Très, très content. En tout cas, nous aussi, on est très content de te recevoir ce matin avec Merci. Nous. Et nous avons le plaisir de recevoir Naïma Badache. Bonjour. Bonjour. Nessima, pardon. Oui. Nessima, comment allez-vous? Ça va, merci. Alhamdoulilah, ravie de vous recevoir ce matin. Merci. En tout cas, vous faites beaucoup d'activités, comme on a pu le voir donc, à travers le reportage oui. avec les enfants. Ce n'est pas juste pendant les vacances, mais en fait, c'est pendant toute l'année? Effectivement, pendant toute l'année, on propose pas mal d'activités extrascolaires aux enfants. Et parmi les activités qu'on propose, c'est des cours de peinture et de dessin. Nous avons aussi des cours de musique. Pour exemple, on a le violon, le piano, la guitare aussi. Aussi, on a des cours de danse classique pour petites filles, des cours de gymnastique et des cours de langue. Comme le français, l'anglais, ça dépendra du choix de l'enfant, ou peut-être même Exactement. Des parents. Et pendant les vacances, on organise des ateliers selon le choix des enfants. Parmi les ateliers, vous avez eu
comme vous avez vu, l'atelier de poterie. Oui. On a aussi les ateliers qui sont programmés, comme l'atelier chocolat. Ça, c'est gourmand comme atelier. Oui. Les enfants adorent parce qu'ils préparent eux-mêmes avec. Ils seront de petits chefs. Ah, c'est super ça. Exact. Et voilà. Très bien. En fait, c'est pour faire sortir les enfants du monde du téléphone et. Oui. Et des tablettes, etc. Effectivement, en plus, toute l'année, on va dire pendant toute l'année scolaire, ce sont les études, les devoirs. Exactement. Donc, sortir un petit peu de ce monde, essayer de leur donner d'autres activités, qu'elles soient manuelles ou peut-être même intellectuelles, puisque l'apprentissage des langues aussi, mais peut-être toujours d'une manière ludique, de façon à ce que ça soit, on va dire, plus un moment de détente qu'autre chose. Exactement. Et ça leur permet d'être plus créatifs et de développer leur intelligence et leur créativité. Et en même temps aussi de se retrouver comme ça, on va Exactement. Dire, en groupe, déjà entre enfants peut-être pratiquement du même âge. Exact. Aussi. Et ça leur permet de développer leur esprit d'équipe, de travailler en groupe. Parce que les enfants actuellement, ils se sont habitués à être un peu isolés dans leur chambre avec leur tablette et leur téléphone. Oui. Donc ça leur permet de reprendre les un bonnes petit peu habitudes. Le contact, la sociabilité contact, aussi exact. qui est mis en avant. Donc il y a déjà un petit peu du bavardage, j'adore. Déjà. Alors dis-moi, Rabah, tu as commencé à faire de la poterie juste cette fois-ci ou tu as déjà fait? J'en avais déjà fait, mais pendant quelques minutes. D'accord. Je faisais juste des petites choses comme ça, des boules. Et cette fois-ci, tu as fait quoi? Moi, j'ai vu, hein, tu as fait un arbre. Merci. T'en es fière? Qu'est-ce que t'en penses de ton travail? Je me disais que je ne l'avais pas très bien fait parce que je n'avais pas assez de temps et j'étais... Tu n'étais pas très contente de ton travail? Ouais. Alors, je vais t'expliquer. Je vais te dire que c'est tout à fait normal. On n'est jamais satisfait de notre travail. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. J'imagine que la prochaine fois, tu vas faire mieux. Tu as déjà une idée de ton prochain atelier? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pas encore? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé de qu'est-ce que je pourrais faire pendant... Très bien. D'accord. Et toi, Amine, oui? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as fait déjà dans cet atelier? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'était que j'ai fait un truc... Un panier. Un petit panier? Oui. Ok. J'ai pas encore fait les fruits parce que j'avais pas d'idée à faire quoi comme fruits. Mm-hmm. Donc j'ai pas fait de fruits. Et bon, donc le panier est là, tu pourras. Ah, bah, voilà. Alors regarde, c'est ton panier? Ou non. Non, c'est pas le tien, mais ça ressemble un petit peu à ça? Non. Non, pas du tout. Très bien. Le mien, il est beaucoup plus pire. Attends, comment ça beaucoup plus pire? Tu veux dire qu'il n'est pas aussi beau que celui-là? Madame, oui, le sien, il est mort. Ah, il est? Il est mort. Comment ça, il est mort? Pourquoi? Il s'est cassé? Non. Bah, c'est pas grave. Bah, tu pourras... Il y a eu un accident dans la voiture. Ah, d'accord. Donc, il n'est pas arrivé... Il a fait mal à la tête. Ensuite, il a tout... Il n'a pas fait exprès. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave. Ça, je me suis perdue. Tu t'es perdue où? En route? Non, je me suis perdue dans ma tête. Ah, dans ta tête. Mais ça va, tu l'as retrouvée. Ah ben, ça va. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'ambiance. Oui, beaucoup d'ambiance. Les enfants, ils étaient vraiment contents, motivés. Et chacun a fait de son mieux pour réaliser son propre travail. Son propre travail. Manuellement et sur machine. Et sur machine aussi, ça se passe comment? En fait, les enfants font du modelage à la main d'abord, mmh, pour essayer de réaliser chacun ce qu'il veut, un panier, un arbre, comme vous l'avez vu. Et par la suite, ils passent sur machine avec leur professeur, bien sûr, avec l'aide du prof. Et chacun réalise autre chose pour essayer de bien gérer. Ils apprennent à utiliser le tour. Ah, le tour. C'est vrai que sur le tour, c'est carrément une autre expérience. C'est Exactement, autre chose. C'est autre chose. Parce qu'à la main, ils peuvent gérer, mais sur la machine, c'est un peu délicat. Donc, ils avaient besoin d'assistance pour très bien réaliser leur travail. Dis-moi, Amine, comment ça s'est passé l'atelier quand tu es... pardon, Rabah. Voilà. Donc, Rabah, dis-moi, ça s'est passé comment quand tu es arrivée dans l'atelier avec tous les enfants? Tu as pris contact rapidement? Non, pas beaucoup. Pas trop?
Et ensuite, dis-moi un petit peu, c'est qui t'a donné l'idée de faire cet arbre? Est-ce que c'est toi ou on t'a suggéré? Parce que quand on est arrivé sur la route, j'ai vu plein d'arbres sans feuilles. Alors quand je suis arrivée, j'ai décidé d'en représenter ces arbres. C'est une très très belle idée. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé beau ton arbre. Hein. Si toi tu ne l'as pas trouvé très joli, moi j'ai trouvé franchement magnifique, ouais. Surtout pour un début. Tout à fait. Ton panier, je ne l'ai pas vu, mais je suis sûre qu'il devait être pas mal. J'en suis certaine. Madame, il venait de le mettre. Ah oui, on l'a vu. Ah, j'ai pas eu le temps de le voir. Donc, vous vous êtes fait des amis comme ça, un petit peu, oui. Vous êtes dans la même classe? On est des amis, on se connaît déjà. On est amis par la famille. On est venus à trois. D'accord. Donc vous étiez à trois. Alors attends, on va revoir le panier. Eh ben, tu vois bien, tu vois, Mich. Moi, je le trouve très joli. Il manque juste les fruits. Après, je te suggérerai quelques fruits. Hein? Quand tu iras faire les courses avec ton papa ou ta maman, tu regarderas un petit peu. J'ai fait des. T'avais pas fait des. J'ai fait des raisins et des. Des brocolis. Des cerises aussi. Des cerises. Ah, ça, c'est un bon fruit. C'est un très très bon fruit. Très bien. En tout cas, dites-nous un petit peu comment ça se passe. Bon, j'imagine qu'au départ, quand ils arrivent, c'est un petit peu le temps de prendre leur marque. Exactement. Donc, de faire un peu connaissance. Quand ils arrivent, il y a l'atelier qui est déjà préparé, il y a les tables, les chaises, les tabliers, etc. Ouais. Et tout le monde est content et impatient de voir comment ça se passe. Et quand le prof arrive, il leur fait d'abord une explication théorique sur l'argile, comment il est fabriqué, comment on peut avoir cette pâte. Et on passe par la suite au modelage. Chacun essaye de réaliser ce qu'il peut à l'aide du prof. Et une fois que c'est fait, il passe à la deuxième étape qui est la réalisation de l'objet. Exactement. Donc ça se passe sur plusieurs jours. Après, est-ce qu'ils reviennent? Non, c'est le même atelier, c'est au choix. Donc en fait, celui qui veut avoir d'autres ateliers, c'est toujours possible pour mieux maîtriser, mieux gérer, essayer de réaliser d'autres pièces. Mais c'est un seul atelier, c'est au choix. Mais on a plusieurs ateliers qui sont programmés. S'ils souhaitent revenir, c'est toujours possible. Très bien. Donc, en fait, il passe combien d'heures, à peu près? C'est 2h à 2h30 de temps. Ah, très bien, très bien. On va encore... je vais encore te poser quelques questions. Dis-moi, tu es en quelle année, déjà? Cinquième année. Tu es en cinquième année. Est-ce que tu as l'habitude de faire du modelage à la maison ou c'est la première fois que tu... À la maison, je fais plutôt la pâte à modeler. Plutôt pâte à modeler, j'imagine. Et c'est un petit peu... Dis-moi, il y a une différence entre la pâte à modeler et l'argile, tu as senti? Oui. La pâte à modeler, en fait, elle est facile à modeler. Et elle n'a pas besoin de sécher complètement. Alors que l'argile, elle est plus facile à modeler parce qu'elle n'est elle est pas très douce. L'argile, et des fois, il faut la mouiller, se salir les mains et faire plein d'étapes pour arriver à ce qu'on veut faire. Très bien. Donc, ça n'a pas du tout la même, on va dire, au niveau du séchage, au niveau de plein de choses. Très bien. Et toi, Annie? Oui. Tu as l'habitude de faire des... La poterie. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Donc à la maison, non, plutôt que comme là-bas? Non, j'étais à la fin de Birtouta et j'en ai fait de la poterie. C'est là-bas. Et mon truc, il est à la maison. Ah, l'objet que tu oui, as fait? Je l'ai donné à ma mère pour l'institut. Comment est-ce que tu as aimé donc ces 2 heures que tu as passées? Tu as apprécié? Qu'est-ce qui t'a plu le plus, dis-moi? Quand on a fait les fruits. Très bien, voilà. Et quand on a fait le verre? Quand vous avez fait aussi? Le truc en verre, là, le verre. Ah oui, vous avez, avec l'aide du tour. Ouais. Il fait apparemment le meilleur de la classe. Ah ben tu vois que chacun dans quoi il est bon, chacun ce qu'il maîtrise. Tu fais d'autres activités? Est-ce qu'il y a d'autres activités que tu vas faire encore, peut-être pendant ces vacances? Oui. Qu'est-ce qu'a programmé pour toi ta maman ou ton papa? Je sais pas, je vais continuer avec toutes les activités qu'on va faire. Donc, comme la peinture, l'atelier chocolat et tout ce qui va les suivre. Très bien. Eh bien, super. Un beau programme jusqu'au 7 janvier. Après le 7 janvier, vous allez retourner sur les bancs de l'école. Dites-nous rapidement d'où vous est venue l'idée de créer cette école d'art. Par rapport à l'école, l'idée que j'ai eue, c'était avant je travaillais, j'avais pas le temps, je finissais pas tôt et j'ai dû arrêter à cause de ma fille. Mais l'idée de cette école m'est venue
Juste après, parce qu'en fait, nos enfants actuellement, ils ont besoin d'activités, on a besoin de les occuper. Et de nos jours, on n'a pas beaucoup d'activités pour enfants. Effectivement. On passe notre temps à chercher. Et même comment... les parents sont très occupés. Exactement, entre les horaires de travail. Donc, j'ai opté pour ça. C'est pour aider les mamans qui travaillent à occuper leur enfant et ne pas chercher à chaque fois de les laisser chez la nourrice ou chez la mamie sans rien faire. Voilà. Donc, il vaut mieux les occuper avec des ateliers qui sont plutôt créatifs que de les laisser à la maison derrière les écrans. En tout cas, effectivement, une très, très belle initiative voilà. qu'il faudrait, on va dire, multiplier et essayer comme ça de consacrer du temps aux activités manuelles et ludiques et créatives pour les enfants. Merci beaucoup, donc, Nassima, d'avoir été là merci. Ce matin. Merci d'avoir répondu présent. Merci pour votre invitation. À notre invitation. Merci beaucoup. Rabah, merci. En tout cas, j'ai été ravie de te recevoir ce matin. Merci. Je suis vraiment enchantée de te connaître. Amine, oui. pareil, je suis vraiment très heureuse de te recevoir. Ça vous a fait plaisir d'être venue oui. En oui. tout cas, on est très contents de vous avoir reçu. Voilà. Merci, merci beaucoup encore et bonne continuation. Merci. Bonne continuation à vous. Merci Et beaucoup. Tout de suite, je vous propose de suivre un sujet de Yasmine Belhidja sur le Festival du théâtre professionnel et on revient juste après. Le théâtre national algérien Mahyeddine Bachtarzi a l'honneur d'accueillir la 16e édition du Festival du théâtre professionnel. Un événement unique avec un programme riche et diversifié, organisé autour de représentations théâtrales. Cette fois-ci, je suis venue d'abord parce que je suis jury, et puis ensuite parce qu'il y a quelque chose de formidable là-dedans, c'est qu'il y a des élèves de l'ISMAS qui ont fait l'ouverture. Et il y a Nabil Asli qui a aussi, qui est notre élève, qui a animé. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles qui sont faits par des étudiants, d'ex-étudiants de l'ISMAS. Donc ce sont des gens formés et je pense, j'espère, que ce festival aura un impact un peu plus important, un peu plus fort que d'habitude. Avec le niveau qui ça se passe bien, avec les, on a des pièces qui ont passé, on a 4 ou 5 pièces, c'est déjà, ça marche bien. Espérons que le reste, ça nous donne après, ça peut monter le rythme des pièces théâtrales et ça nous donne la joie d'avoir un festival. À son grand niveau théâtral. Chemin d'origine, la pièce théâtrale des gagnants du premier prix du théâtre amateur, venue de Constantine, jouée pour la première fois au Théâtre national algérien par un panel d'artistes qui ont offert le fruit de leur travail au public. المسرحيه شما دورينجين تحكي على شاب جزائري اللي راح لاوروبا باش يدير فورماسيون في الخدمه تاعو وعجبته طفله وما لقاش فاش يكومونيكي معها واستنجد بالشيطان الور يخرج له الشيطان ويكومونيكي معاه وتصرا عند بايت وسا شاركنا في المسرح المحترف خاطر دينا الجائزه الكبرى دونك ان شاء الله تعجب الجمهور ونكونوا قد المسرح المحترف Une pièce théâtrale parfaite avec différents tableaux, mais surtout divers messages passés. De par leur talent, laissant un public émerveillé et admirateur. Je pense que c'est une superbe pièce, pleine de connotations, vraiment, franchement superbe. Et elle touche un petit peu tout le genre de population, je veux dire. Et puis j'ai beaucoup aimé l'histoire du diable avec... Voilà, du diable, il est un petit peu là pour faire passer des messages. Moi, j'ai pris cette pièce de théâtre vraiment avec beaucoup de messages. Je trouve qu'il y a beaucoup de messages à faire passer dans cette pièce de théâtre. J'ai trouvé que c'était intéressant et drôle, par moments. Voilà. Ils se sont imprégnés de l'humour et de la culture algérienne. Je trouve que les comédiens jouent très bien, très très bien. Ils parlent très bien, ils articulent très très bien. Voilà, ils ont usé de plusieurs accents, ce que j'ai trouvé très intéressant et rafraîchissant aussi. Ça fait vraiment plaisir de voir des maharajanats qui m'ont adoré. Les intimes qui m'ont dit que je disais 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 que je Donc, الناس عجبتها وانا personnellement عجبتني. Pendant les vacances, quoi de mieux qu'une belle pièce de théâtre? Pensez à faire un tour.
C'était un sujet de Yasmine Belhidja et nous allons rester dans le théâtre puisque j'ai le plaisir de recevoir ce matin Nizar Sahnoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien ? Oui, comédien à Annaba. Je vis là-bas, à Annaba. Et puis chanteur aussi par moment. Voilà, artiste simplement. Très bien. En tout cas, merci. On est ravis de vous retrouver, de vous recevoir ce matin. Et nous avons le plaisir de recevoir Nabil Rahmani aussi. Donc bonjour, monsieur Nabil. Bonjour. Je suis un comédien dans la pièce théâtrale Annaba et je suis un metteur en scène aussi. Très bien. Donc ce soir, la pièce de théâtre, c'est Hella Kishbilia. Oui. Donc le coiffeur de Séville. De Séville. Le barbier de Séville. Ouais. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour ce soir ? C'est la première ? La première, oui, c'est la générale, comme on dit, la générale de la pièce, pour la première fois face au public. Et en plus, en compétition dans un festival national de théâtre algérien. Le public est mettable à l'art. Ça, on en est à peu près sûr, comme on a pu le voir déjà, donc sur la pièce de théâtre qu'on vient de voir. C'est en exclusivité pour Alger, cette pièce de théâtre, parce qu'on avait répété pendant plus d'un mois à Annaba. Il y avait des circonstances où on ne pouvait pas jouer la pièce pour le public d'Annaba. Et on est très, très heureux de participer avec ce premier spectacle de la pièce, Le Barbier de Séville, ici à Alger, dans ce cadre, le Festival National. Voilà. Au Théâtre, beau théâtre, donc vraiment un lieu mythique. On va parler un petit peu de la pièce de théâtre, si vous voulez bien. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour où le comte Almaviva part de Madrid à Séville pour conquérir sa bien-aimée qu'il a aperçue à Madrid. Et il s'avère que ce n'était pas une tâche très facile parce qu'il avait un concurrent, le docteur Bartolo. Lui aussi veut absolument avoir cette belle Rosine. Et tous les événements et l'histoire de cette pièce tournent autour de ça. Alors, c'est une mise en scène de Boukhar Ihbel. Okay. L'assistant, c'est Kamel Rouini, l'assistant avec le metteur en scène. Et on demande au public d'être nombreux ce soir parce que c'est une pièce en quatre actes avec beaucoup de couplets consacrés à la chanson. Donc, il y a beaucoup de créations aujourd'hui. Le public, il va être servi, je pense, avec la participation de Kamel Benani, Zahwa Kanoun, de très très belles voix dans cette pièce de théâtre. Et je pense que ce soir, on fera un beau spectacle et je leur demande d'être au rendez-vous. Oui. Ben, j'imagine que le public sera là, surtout que c'est un jeudi, surtout aussi que c'est une période de vacances, donc le public, donc les amoureux du théâtre seront là et vous verrez, vous ferez salle comble. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur la préparation de cette pièce ? Pendant le montage ou... Pendant le montage. Ça a été très bien avec Boukha, qui m'a dit que nous Boukhari. En plus, il y a le chorégraphe Tofiq Qara aussi. On a travaillé magnifiquement. Au niveau mise en scène. C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles choses. Et au niveau costume, question que j'allais vous poser. J'allais vous dire au niveau des costumes, il y aura une surprise pour le public. Ouais. Une grande surprise parce que c'est des costumes d'époque. Et c'est un barbier de Séville, si vous voulez. Cette pièce de théâtre, elle a été, il y a des adaptations partout dans le monde. Dans le monde, oui, c'est une pièce très connue. Donc tout le monde a fait le barbier de Séville à sa façon. Et aujourd'hui, on a un barbier de Séville. À la bonnoise un peu, si vous voulez. Même les chansons flamenco, filmelof. Voilà. Très bien. Vous avez donc essayé même d'adapter le style musical pour coller un petit peu. Pour donner un cachet bonnois à cette pièce de théâtre, à ce barbier de Séville. Nous avons notre barbier de Séville à nous. D'accord, voilà, donc vous lui avez donné une petite touche. C'est une vision qui a été imaginée par le metteur en scène. Voilà. Parce qu'en fait, vous aurez pu, comme on dit, vous coller carrément à la pièce originale sans trop...
Mais là, vous avez essayé d'apporter ce quelque chose qui fera la particularité. La particularité du barbier de Séville, Tarnahna. Très bien. Donc, avoir un petit peu plus de détails. Vous êtes combien de comédiens sur scène? Avec comédiens, danseurs, environ 10. 10 ou un peu plus, peut-être. Ouais. Oui, 10. Oui, on est assez nombreux. Il y a des tableaux, de très beaux tableaux de chorégraphie, de danse et tout ça. Donc, et surtout les costumes, la lumière, tout est beau dans cette pièce de théâtre. Très bien. Franchement, ne ratez pas. Elle est où la caméra? Ne ratez pas ce soir à 19h. Donc au Théâtre National. Au Théâtre National. Très bien. On va encore un petit peu donner des détails. Comment un petit peu s'est fait le choix donc des comédiens? Le metteur en scène a fait un casting au théâtre d'Annaba. Il y a même des jeunes comédiens. Le jeune premier, d'ailleurs, sa première montée sur scène. Sa première expérience théâtrale. C'est sa première expérience dans le théâtre. Il est chanteur. Il est chanteur à l'origine. Oui. Très bien. Donc, toucher comme ça au théâtre, être impliqué. Ce qu'il faut dire aussi, que c'est Bukhari. Il a le flair de dénicher des. C'est-à-dire, pour son casting, il a été parfait, simplement. Voilà. Il a su trouver en chacun de nous le personnage qu'il lui faut. Voilà. C'est très très important pour la réussite. Ça, c'est la fibre artistique que Bukhari a. Donc, il a le flair pour... Un profiler. Voilà, un profiler, exactement. C'est le terme. Très bien. Pardon, on a oublié de parler l'auteur qui a adapté le texte. Le texte, effectivement. Oui, c'est Saïd Afassi qui a adapté le texte. Très bien. Donc, on salue Saïd Afassi. Très bien. Saïd Afassi. Et puis voilà, c'est en arabe dialectal, c'est en derja qu'on va. Donc c'est voilà, c'est intéressant aussi de découvrir complètement un autre barbier de Séville, autrement qu'on a l'habitude de le voir dans des films cinéma, dans des pièces de théâtre à l'étranger, tout ça. Et donc, c'est un choix de le faire dans arabe dialectal, donc. Carrément. Ouais. C'est un choix. Et c'est on est vraiment dans le théâtre, dans la comédie. C'est une pièce de comédie. Donc le rendez-vous sera, le rire sera au rendez-vous ce soir. Donc beaucoup de légèreté aussi. Beaucoup de légèreté. Très bien. Merci. On rappelle encore juste le rendez-vous pour le public. Alors ce soir à 19h au Théâtre National. N'oubliez pas, ne ratez pas. Venez réserver ce petit moment avec nous. Merci à vous. Merci. En tout cas, merci. J'espère que le public sera au rendez-vous. J'en suis à peu près certaine. Merci. Et merci d'être venu ce matin. Merci d'être venu. Merci. Vous allez avoir une longue journée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque vous avez la représentation ce soir. En tout cas, on est ravis de vous avoir reçu ce matin. Et merci d'être venu. Voilà. Merci. Et on continue tout de suite. L'émission continue. Je vous propose un sujet de Feriel Hamdi sur l'Institut technique d'arboriculture. On regarde et on revient juste après. L'orange est le fruit de l'hiver par excellence, puisque c'est en cette saison qu'il est le meilleur et que sa richesse en vitamine C est idéale pour lutter contre le froid et la fatigue. Le programme algérien de développement des agrumes occupe une place prépondérante dans la nouvelle politique agricole du pays, considérant les vocations pédoclimatiques de différentes zones agricoles algériennes. Nous avons donc, par rapport aux agrumes, nous avons une superficie totale au niveau national qui est autour de 80 000 hectares, donc qui donne une production globale de plus de 16 millions de quintaux de fruits, d'agrumes, toutes espèces confondues, donc qui rassemble tous les groupes d'espèces orangées, clémentiniers, donc mandariniers, pomelos, pamplemousses, citronniers, donc toutes. Tout groupe d'espèces confondues. Par rapport aux sources génétiques, donc nous avons une gamme qui dépasse 263 variétés qui sont conservées au niveau des collections et au niveau du conservatoire de l'Institut technique de l'agriculture fruitière et de la vigne. Donc nous avons plus de 30 variétés locales et plus de 230 variétés donc, introduites, dont 81 qui sont homologuées.
L'Algérie possède une collection variétale composée de 178 variétés d'agrumes constituant un patrimoine génétique inestimable, car les oranges algériennes, dont ces variétés sont nombreuses, étaient souvent classées parmi les qualités de luxe. Un parc à bois qui est destiné spécialement pour la production de greffons qui seront livrés à la profession ou à toute demande reliée aux agriculteurs et à la profession. Donc ce parc à bois détient plusieurs espèces des agrumes. Donc on a le citronnier, le mandarinier, les clémentiniers, les orangers avec différentes variétés. Donc pour ce parc à bois, normalement, pour un investisseur qui veut investir dans la production de plants, il doit impérativement disposer d'un parc à bois, au moins à petite échelle, pour pouvoir satisfaire sa demande pour sa propre production, ou bien satisfaire la demande des pépiniéristes qui sont au niveau de leur wilaya. Et pour plus de détails, nous avons visité l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne, l'ITAF de Tsel El Merja. Des spécialistes en arboriculture nous en parlent. Donc l'ITAF est un institut à caractère technique et scientifique. Donc nous avons 11 fermes de démonstration au niveau national, dont la ferme de démonstration de Boufféry qui est spécialisée dans la production des agrumes. Et là, donc, on est au niveau des vergers de production de la ferme de démonstration de Tsel El Merja. Donc c'est la station centrale. Un bon qualitatif et quantitatif enregistré dans la récolte cette année. Quand je parle de l'entretien, automatiquement je parle de la taille, de la fertilisation, de l'irrigation, de tout ça pour maintenir ce matériel végétal dans un très bon état sanitaire. Donc il faut faire l'entretien pour avoir plus de greffons, pour les multiplier au niveau des parcs à bois qui se trouvent à travers le territoire national. Cette saison, l'orange est disponible, belle, sucrée et surtout abordable. C'était un sujet de Feriel Hamdi et j'ai eu le plaisir de recevoir Biram Fahima. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Alhamdulillah. En tout cas, je suis ravie de vous recevoir ce matin. On va parler des agrumes en général. Et d'abord, on va commencer déjà par présenter l'Institut. Oui, l'Institut, c'est l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne. C'est un institut qui a été créé depuis 1987 et il est à caractère scientifique et technique. Donc on a 11 fermes de démonstration à travers l'échelle nationale, en commençant par Sidi Aïch, Constantine, Skikda. On a même Tsel El Merja, Boufarik, Bni Temo. Et au niveau de l'ouest, on a même Midia, Tiaret, Mohamedia, Tirnif, Intimouchent. Donc, on a le territoire national, on a, c'est-à-dire, des fermes de démonstration. 11 fermes. Oui. Et la mission principale de l'ITAF, c'est la multiplication de matériel végétal de pré-multiplication, de départ, pour satisfaire les besoins des producteurs, de la profession, des pépiniéristes. Qu'est-ce que vous appelez par c'est comme une présélection que vous faites? C'est le matériel de départ. Ensuite, c'est-à-dire pour la création des parcs à bois au niveau des professions. Parce que le parc à bois, c'est à partir de lui qu'on récolte les greffons pour le greffage. Très bien. Donc, il y a le porte-greffe et le greffon. Oui. Dans les agrumes, il faut y avoir le porte-greffe. C'est-à-dire, c'est comme le bigaradier, le citrus volcamariana, citron ch'troyer, carizo. Et la variété, par exemple, comme Washington, Thompson, c'est des variétés. La deuxième, c'est l'accompagnement de la profession et les producteurs dans soit la formation, dans leur expertise. Et c'est beaucoup plus, c'est ça.
Très bien. Donc, vous fournissez donc déjà des arbres Oui, le matériel végétal de départ pour la création. On a des réseaux, par exemple, dans l'agrumiculture ou bien d'autres filières ou l'école. C'est pour la création des parcs à bois. Et donc, au niveau des pépinières, ensuite, on fait la multiplication. La multiplication des plants. Très bien. Pour satisfaire les besoins des agriculteurs. Justement, cette année, on a remarqué qu'il y avait une production un peu plus importante que les autres années. Pourquoi ? Oui, c'est vrai, cette année, on a une production, une bonne production. C'est-à-dire, si on prend la superficie déjà globale, elle est de plus de 80 000, on a des agrumes. Et on a, pour l'année passée, et on a une production de plus de 16 millions et quelques. Pour un rendement de 239 quintaux à l'hectare. Donc, cette année, il y a une production vraiment, une production bonne. Cela est dû, c'est-à-dire le fait que les agriculteurs ont compris que les agrumes ont besoin des bonnes pratiques de production. C'est-à-dire qu'il faut faire la fertilisation, il faut tailler, il faut surtout l'irrigation. Très bien. On a vu que de plus en plus d'agriculteurs conduisent leurs champs, on va dire, d'une manière, comme vous dites, qu'on doit suivre toutes les étapes, et surtout parce que il y a d'abord l'irrigation, il y a tout le suivi minutieux d'un verger. Ce n'est pas, on va dire, comme autrefois, c'était un petit peu aléatoire. Parce que les agrumes sont vraiment exigeants pour l'eau, l'irrigation. Surtout les périodes, c'est-à-dire creuses. Cette année, c'est que les agrumes ont la période de floraison, c'est en mars. La majorité, c'est 99%, la majorité, ont la floraison en mars. Et cette année, la floraison n'a pas coïncidé avec des problèmes de sirocco, bien des changements climatiques, ou bien ça a passé bien la période de la floraison. Ensuite, c'est vrai que l'été a des changements climatiques, il y a des températures qui sont élevées, mais les agriculteurs ont pris conscience qu'il faut s'adapter au changement climatique par les désirrigations, par l'entretien de leurs vergers. Et c'est ceci qui a donné une bonne production. Ainsi que, il y a, par exemple, l'année passée, parce que les agrumes, ils donnent la production sur le bois de l'année précédente. Ils ne donnent pas le bois sur l'année de cette année, comme l'olivier. Donc, l'année passée, les arbres, c'est-à-dire, ont fait une bonne pousse, ce qui a fait que cette année a donné une bonne production des agrumes. Très bien. Donc, en fait, quand même, une année dépend de l'autre. Hein. Oui, oui. Il faut travailler la pousse de l'année passée. Si elle est bonne, la pousse de l'année passée, eh bien, cette année, va y avoir une production bonne. Très bien. Donc, comme on disait, donc une production plus importante cette année, c'est parce que aussi, tout simplement, donc beaucoup de vergers ont été plantés. Et bien entendu, combien qu'il faut un verger des orangers ou des citronniers ou mandariniers, combien d'années à peu près pour que l'arbre atteigne son âge adulte? Déjà les agrumes commencent à donner des petites productions, déjà 3 ans, 4 ans, déjà ils commencent à donner. Surtout le citronnier, c'est été greffé sur les Citrus Volcamariana. C'est-à-dire il donne la production, c'est-à-dire il accélère la production. Déjà la troisième année, on commence à avoir une production. Et au bout de 8 ans ou bien, c'est-à-dire on peut avoir une pleine production aux 10 ans. C'est pour ça que je suis quelqu'un quand même qui bouge énormément. Dès qu'on sort un petit peu d'Alger, on voit énormément de vergers d'agrumes qui ont été plantés. Et donc, c'est ces vergers-là qui sont rentrés en production cette année? Oui, il y a ces dernières années, il y a beaucoup, c'est-à-dire des agriculteurs et des producteurs qui ont investi dans l'agrumiculture. Et durant les 5 ans, ou bien les dernières années précédentes, ils ont de nouvelles plantations. Ce qui a fait que l'entrée en production, ça a coïncidé par cette année, ce qui a augmenté la production. Mais il y a, c'est-à-dire un petit problème, c'est que nous, on travaille beaucoup, on a une gamme variétale très diversifiée en Algérie. On a plus de 267 variétés en Algérie. À l'État, on a plus de 267 variétés des agrumes. Les oranges, les clémentines, les mandarines, les citronniers, même les kumquats, c'est une gamme variétale. Plus facilement donc sur les marchés. Oui, donc on a une gamme variétale très importante. Dans les 267 variétés qui existent au niveau de l'État, on a on a un conservatoire arboricole et viticole, c'est-à-dire où on trouve presque toutes les variétés. Et spécialement les agrumes, on trouve au niveau de la ferme de démonstration de Blitamo.
Oui, c'est-à-dire les 267 variétés, on trouve, c'est-à-dire 30 variétés locales autochtones algériennes et les 233, c'est des variétés étrangères. Et sachant qu'il y a 80 variétés qui sont homologuées. Elles sont homologuées, c'est-à-dire qu'elles sont aptes à la production. À la production, oui. Très bien. Donc, elles peuvent entrer, on va dire, dans le marché national. Mais le problème, c'est que nous, c'est-à-dire la majorité de la production, c'est-à-dire on travaille beaucoup plus sur les variétés précoces. Et pourquoi est-ce qu'on travaille sur les variétés précoces? Les agriculteurs et les producteurs travaillent beaucoup plus sur les variétés précoces, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, à peu près janvier. Par exemple, on trouve les Satsuma, les Washington Navel, les Thompson Navel. C'est beaucoup plus, on trouve ces variétés. Mais les variétés de 6 ans et les variétés tardives, c'est-à-dire on ne trouve pas beaucoup. C'est-à-dire le marché presque il est vide. Donc après janvier, la production baisse un petit peu. Oui. Puisqu'en fait, il n'y a pas donc, les producteurs variétés de 6 ans. Oui, n'investissent pas dans les variétés de 6 ans et les variétés tardives, seulement les variétés précoces. Et on peut avoir, c'est-à-dire les variétés tardives, il y a des variétés, par exemple, la Valencia Late, si on peut l'avoir en mi et même en juin. C'est-à-dire on peut avoir les agrumes durant presque, c'est-à-dire 7 à 9 mois de l'année. De l'année. Donc, à condition que les agriculteurs jouent investir le jeu. Dans les variétés de saison et les variétés de variétés tardives. Tardives. Sachant que, par exemple, maintenant, il n'y a pas beaucoup de fruits sur le marché. Presque seulement les agrumes. On peut beaucoup plus. Et janvier, février, mars, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de fruits. Non, il n'y a pratiquement pas. Bon, il y a un petit peu, on va dire, la fraise qui est conduite sous serre. Oui. Mais en arboriculture, c'est un petit peu vide. Mais à partir du mois de, par exemple, avril, mai, déjà, ça commence les autres fruits. Par tout exemple, on peut trouver les nèfles. Les nèfles. Les cerises. Les cerises. Oui. Mais on a les agrumes, c'est-à-dire les variétés de saison, les variétés tardives, il faut s'investir dans ce domaine pour avoir, c'est-à-dire avoir presque 9 mois de production des agrumes. Mmh, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les variétés? Il y a aussi, on va dire, les consommateurs qui sont peut-être un peu exigeants. Quelles sont les variétés les plus demandées? Eh bien, le consommateur demande presque toutes les variétés. Chaque fois, il y a une variété, c'est-à-dire nouvelle, ou bien les variétés, c'est-à-dire c'est-à-dire de qualité beaucoup plus. C'est-à-dire gustative, la qualité gustative, c'est ça que cherche le consommateur. Cherche la qualité gustative. Comme par exemple la clémentine, on sait très bien que la clémentine sans pépin, elle est préférée. Même il y a certains mandarines, les sanguines. Il y a des variétés, les sanguines, c'est des variétés de saison. C'est-à-dire ces dernières années, on ne trouve pas beaucoup les sanguines. C'est la question que j'allais vous poser. J'allais dire, on a un petit peu de mal à trouver l'orange sanguine ces dernières années. Les sanguines, c'est-à-dire beaucoup plus, elles sont riches en jus. C'est-à-dire, et un autre problème, c'est que c'est-à-dire, le marché, il est à 99%, c'est des productions frais. L'industrie, c'est-à-dire la transformation, elle est un petit peu... Il faut encourager la transformation. C'est-à-dire le jus, tout ce qui est confiture, tout ce qui est l'huile, comment ça s'appelle ? Les huiles essentielles. Beaucoup de produits, de sous-produits qu'on peut tirer donc de l'orange, de la production d'orange en général. Oui. Et même le consommateur algérien, c'est parmi les consommateurs qui consomment beaucoup plus les agrumes. C'est-à-dire, on peut y aller jusqu'à 30 kilos par habitant par an. C'est parmi les premiers consommateurs, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, qui consomment les agrumes. C'est vrai que tout ce qui est quand même local est très prisé par... les Algériens sont des amateurs de fruits. Hein. Oui. Un repas sans fruits, c'est pratiquement, on va dire, inconcevable. Et tous les fruits, hein, comme par exemple pendant l'été, c'est la pastèque, melon, raisin. La vigne, oui. Voilà. Maintenant, l'hiver, c'est pour l'instant, alors tout le monde se rue sur la mandarine. L'orange, peut-être un peu moins parce qu'on se dit la saison va arriver, on va la retrouver. Mais ce qu'il y a, c'est que la clémentine est quand même la saison est un peu courte. Oui, surtout la clémentine sans pépin, elle est très préférée par les consommateurs. Mais la saison, je vous dis qu'elle est trop courte, c'est-à-dire octobre, novembre, janvier, c'est-à-dire max. Donc, c'est-à-dire nous, on donne des conseils, on fait la formation et la vulgarisation. Donc vous faites des formations. Oui, on fait. C'est-à-dire, on a beaucoup de programmes. Déjà, on a le programme de renforcement des capacités humaines, soit pour les agriculteurs, soit pour les cadres, soit les porteurs de projets. C'est au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire, on fait des formations, on forme des relais.
ou bien des formateurs, ou bien des conseillers agricoles. Même on a des... À travers aussi les chambres d'agriculture, oui, donc, les chambres, de chaque wilaya. Les chambres et même les directions des services agricoles, au niveau des ITMA, c'est-à-dire des instituts de formation agricole. Même on fait la vulgarisation, c'est des journées de démonstration, c'est des journées portes ouvertes, c'est des conférences, des ateliers. C'est-à-dire on a un vaste programme, surtout pour la filière agrumicole. On a accompagné les producteurs dans le cadre même de la coopération avec d'autres producteurs et professionnels. Donc on a ce qui a donné un impact sur la filière agrumicole. J'imagine, on le voit bien, donc tout le travail que vous faites en amont, les agriculteurs aussi s'intéressent. Maintenant, ils veulent réellement, on va dire, se former, avoir le plus de connaissances pour pouvoir gérer leur verger. Même maintenant, oui, même ils cherchent, c'est-à-dire des thématiques nouvelles. Par exemple, tout ce qui est relation avec les changements climatiques, il faut s'adapter maintenant. Il faut entrer dans l'adaptation au changement climatique, même tout ce qui est stress biotique, abiotique, dans tout ce qui est les hormones et la régulation. C'est-à-dire qu'on a vers des thématiques nouvelles. On n'a pas resté sur tout ce qui est taille, greffage ou bien les bonnes pratiques. C'est-à-dire on suit... En fait, vous êtes adapté. Oui, il faut s'adapter avec tout ce qui est maintenant, surtout tout ce qui concerne les changements climatiques, sur les bonnes pratiques à faire, les irrigations. Il faut faire attention à tout ce qui est la sécheresse, les inondations, les aléas climatiques en général. Mmh. Et les agriculteurs emboîtent le pas? Oui, ça se voit avec tout ce qui est une bonne production cette année. Donc, je pense que le programme a fait même l'accompagnement de l'ITAF dans tout ce qui est l'agrumé, c'est-à-dire dans la filière arboricole et viticole, et spécialement dans la filière agrumicole, c'est-à-dire a donné un impact sur le terrain. Mmh. Sur le terrain, oui. Et en même temps aussi donc, sur le marché, puisque quand même le prix des agrumes est relativement, oui, on va dire, raisonnable comparé aux années précédentes. Oui, cette année. Oui, normalement, cette année, c'est-à-dire elle est à la portée de toute la population maintenant. Mmh. Bon, c'est vrai que, comme je le dis très souvent, d'un quartier à un autre, on peut trouver une différence de prix. Oui. Mais réellement, on va dire déjà que ça soit, par exemple, l'orange de table, elle démarre à partir de 120 dinars, 150 dinars. Oui, oui. La clémentine aussi, donc tout dépend du calibre, bien entendu. Mmh. Mais quand même, franchement, le prix, moi, personnellement, oui, je trouve qu'il est beaucoup plus raisonnable que l'année cette précédente. Cette année, ça se voit que c'est une bonne année, c'est-à-dire de production des agrumes. Il faut se pencher pour la diversification. Chaque fois, on insiste sur la diversification. On ne reste pas seulement sur 10 variétés. Tout ce qui est clémentine, mandarinier, ou bien le Washington Navel, Thompson Navel. Même, il faut y aller vers les variétés autochtones algériennes. Justement. Autochtones. Effectivement, j'avais rencontré certains agriculteurs qui, on va dire, qui combattaient un petit peu, qui essayaient de garder, parce que tout le monde leur disait non, aller vers des variétés nouvelles et tout. Mais en fait, eux, ils tenaient, surtout c'était une variété, si je me souviens bien, c'était une variété d'orange à presser. Donc la peau était extrêmement fine, oui, et vraiment gorgée de jus. Et ils me disaient, c'est le verger de mon grand-père, ce sont des variétés qu'on cultive depuis des années et c'est des variétés qu'on doit maintenir en fait. Oui, c'est le patrimoine. On dit que c'est le patrimoine génétique. Ça entre dans, je pense, que dans la culture, dans notre culture. Il faut sauvegarder les variétés algériennes autochtones. Parce que chaque pays a son patrimoine génétique. Donc, nous, on a 30 variétés déjà, locales, autochtones, algériennes, à travers le territoire national, qui sont au conservatoire. Qui existent au niveau de Bnitamo. Et les variétés autochtones, c'est des variétés beaucoup plus qui sont résistantes. Donc, qui s'adaptent, qui sont adaptés déjà à notre climat. Déjà, ils ont leur terroir. Mm-hmm. Déjà, ils sont dans leur terroir. Déjà, ils s'adaptent, c'est-à-dire surtout au changement climatique. Tout ce qui est résistance aux maladies, surtout à la sécheresse, tous les aléas climatiques. Donc, même pour la qualité gustative, on a par exemple des variétés, par exemple, comme la clémentine de Mserine. On a par exemple, on a les oranges de Blida. On a les oranges de Biscara, on a beaucoup de variétés algériennes qui sont
ils sont valorisés à l'étape, mais c'est-à-dire à l'échelle nationale, la multiplication elle est restreinte. Très bien, oui. Très bien. Merci, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions et espérons donc que les variétés locales, que les agriculteurs qui nous suivent ce matin pourront, on va dire, prendront un petit peu de ce que vous venez de dire et essayer de faire plus, on va dire, de la production d'agrumes locales. Inch'Allah, ça va continuer comme ça. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Fahima, d'avoir été là ce matin avec nous et de nous avoir offert ce magnifique plat d'agrumes. Merci beaucoup. Bonjour d'Algérie, continue, restez avec nous. Tout de suite, je vous propose de suivre un sujet de Lamia Boudbouda. C'est une virée dans les montagnes et vous allez découvrir laquelle. On regarde et on revient. À Shri'a, en ce vendredi, la température atteint les 6 degrés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était une véritable journée d'hiver où pluie et froid étaient au rendez-vous. Certaines familles ont même acheté sur place bonnets et gants pour les enfants. انا الجزاز جبت الدراري وكشيت لهم كاع لي غون حاجه باينه ولازم بروده باسكو هذا بزاف الله يبارك. Cette magnifique forêt de cèdres centenaires, de chênes et d'ifs attire les amoureux de la nature et du sport en plein air. C'est l'association sportive des médecins du Grand Alger et l'association Bouchaoui Athletic Club et ça c'est le groupe des téméraires. Voilà. Et nous pratiquons trois fois par semaine, régulièrement, dimanche, mardi et vendredi matin. Là, pour cette saison, c'est la première fois qu'on monte à Shri'a. Donc c'est autour de 11 km, 11, 12, entre 10 et 12 km parce que c'est l'altitude. Mais sinon, l'entraînement régulier, celui du vendredi, c'est plus que ça. Ça peut être 20, ça peut être même plus. Ça dépend de la préparation. On renaît, c'est une renaissance. D'accord, ça nous... Ouais, on renaît. Chaque vendredi, c'est une nouvelle vie. C'est repartir à zéro. C'est vider son sac, y croire encore. Et ça va, voilà, qu'on a un bon cœur, qui respire encore et qui a encore de l'espoir. Voilà, grâce à votre coach. J'étais fumeur, j'ai arrêté la cigarette, ça fait 23 ans. Et je me suis mis à la marche. Depuis qu'il a arrêté la cigarette, il n'arrête pas de courir. C'est à l'avantage. Et je vous signe encore une, j'ai deux stents. Et je continue le même rythme. Arts martiaux mixtes. Dans cette discipline, Abdelhak prépare une compétition à Tunis et s'entraîne très tôt le matin. هذا احنا الجروب تاعنا وانا دوكا لي بريباراسيون عندي نلعب في تونس ان شاء الله 3 جانفي 2024 ام ام اي تاع الكاجا سبور دو كاجا تاع كومبا في تونس صافي لي بريباراسيون دوكا عندك كومبيان كيلومتر فو مونتي دو شوف هي نورمالمون فيها طريق فيها والله ما نكذب 25 كيلو 31 كيلو طريق بصح احنا ما نطلعوش طريق احنا نطلعو قطوع بيان سور اللي هو نقي لي بومو بزاف صوالح لا مارش مليحه. Le parc national de Shri'a est une réserve mondiale de la biosphère. Chaque week-end, il accueille des milliers de visiteurs pour ses paysages, sa nature et son calme. Toute la journée, je suis allée là, je suis visiter, je suis au Kamel. Voilà, nous avons tout à l'achia. J'ai tout ce qu'il faut pour passer toute la journée. Il y a un coulis, j'ai un peu bien sûr, je suis allée à la tabia. Tabia, mashallah. Le parc s'étend sur une superficie de 26 000 hectares et abrite dans les 1200 espèces végétales et animal. Cet important potentiel de biodiversité est à protéger absolument. Avis aux visiteurs.
Voilà, avis aux visiteurs d'aller faire de la marche à condition d'avoir les bonnes conditions physiques. Et j'ai le plaisir donc de recevoir Lounès Mziani. Bonjour. Bonjour madame, comment je suis ravie de me retrouver encore une fois ici effectivement, parmi donc, vous. Vous avez déjà été notre invité, et très souvent donc l'invité de l'émission Bonjour exactement, l'Algérie. Exactement. En tout cas, ravie de vous recevoir. Et j'ai le plaisir aussi donc de recevoir Nordine Kaddour. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là ce matin. Merci de votre invitation. Nous allons parler. Merci. Nous allons parler donc de tourisme, nous allons parler de destination Algérie. Avec grand vous. Plaisir. Avec grand plaisir, effectivement. Monsieur Mziani, aller se promener en montagne, c'est bien. Avoir le matériel qu'il faut, c'est encore mieux. Et respecter donc le lieu où on va, c'est très très important. Exactement. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je dois rappeler à nos amis téléspectateurs qui nous regardent actuellement que en Algérie, nous avons des montagnes. Et ces montagnes, elles font partie de notre paysage algérien qui est composé aussi du Sahara, du désert, du littoral. Donc ces montagnes, elles sont là pour nous donner beaucoup de plaisir sur le plan moral et physique, mais aussi c'est grâce à nos montagnes que nous avons beaucoup d'eau. Ce sont des réservoirs d'eau, les neiges qu'on reçoit chaque annuellement, elles deviennent des eaux après la fonte de ces neiges. C'est elles qui alimentent nos barrages, nos sources d'eau, nos fontaines. Donc, il va falloir quand même les protéger. D'ailleurs, parmi les montagnes que nous avons en Algérie, il y a beaucoup d'entre elles qui sont classées comme parcs nationaux. Parc national protégé, comme le cas du Djurdjura. Moi, je parle du Djurdjura que je connais très bien, donc depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc, le Djurdjura, c'est vrai, c'est un espace, c'est une montagne rocheuse, beaucoup plus rocheuse et forestière aussi, puisqu'elle est composée d'une cèdre importante et d'une pinède importante. On a pu l'apprécier dans le reportage. Voilà. Mais c'est vrai, on peut faire du sport de montagne, on peut faire du tourisme, mais qu'on fasse attention à nos montagnes, qu'on les préserve. Il ne faut pas que ces montagnes deviennent des terrains de jeu de quiconque qui vient s'amène avec son groupe, que ce soit les agences de voyage, que ce soit des groupes de randonneurs, des groupes d'associations qui partent passer des moments de plaisir en montagne et qui oublient la principale chose, celle de protéger ces espaces qui nous rendent heureux. Donc il faut que le geste écologique accompagne ces virées ou bien ces balades dans nos montagnes. Il ne faut pas oublier que, comme vous l'avez dit, ce sont des réserves naturelles, donc prendre son matériel, peut-être bivouaquer, il y a beaucoup de gens qui le font, mais en fait il faut être consciencieux, il faut faire attention à toute cette faune et cette flore qui les entoure. C'est ce qu'on vient chercher, c'est cette beauté, donc la laisser dans l'état dans lequel on l'a trouvée. Exactement. De par mon métier de guide de montagne, mais je suis aussi militant écologiste. Dernièrement, en mois de mai passé, nous avons organisé, au niveau de la direction de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou, un stage des guides accompagnateurs de randonnée. On leur a inculqué, avec une équipe de formateurs magnifiquement esquissée, il y avait un capitaine des pompiers qui nous a parlé des secours en montagne, l'escalade, un spéléologue, un docteur d'état en géologie qui nous a parlé de la géologie du Djurdjura, le responsable du secteur de Tel Aguilef du parc national du Djurdjura pour nous parler de la réglementation des parcs nationaux. Comment randonner tout en respectant ces espaces. J'ai eu aussi un doyen de l'université de Tizi Ouzou en écologie qui actuellement fait des recherches sur la vipère de la Taste, la vipère du Djurdjura, y compris le météorologue de Tizi Ouzou. Donc c'est une formation complète, presque complète. On a fait de l'escalade, on a fait de la randonnée. Comment organiser ces sorties? Comment ne pas avoir de problème? C'est surtout avec deux objectifs principaux qui sont la réduction des accidents qui se déroulent en montagne et la réduction de notre impact
sur cette nature qu'on doit préserver. D'ailleurs, parlant des accidents, la oui, dernière fois, le 8 décembre passé, on a eu un accident, un incident à Tadakilef, où il y a eu 31 personnes qui se sont égarées. Mm-hmm. Voilà. On en parlera après. Très bien, on va en parler. D'accord. Je voulais vous poser la question à vous, oui. Monsieur Kadour. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait de la randonnée? Oui, je fais de la randonnée. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de partager avec monsieur tout à l'heure. Oui, tout simplement parce qu'en fait, je suis d'origine, d'abord, j'habite en France. Mon père était algérien, ma mère était française. Et j'ai vécu une grande partie de ma vie à Grenoble, les toits des Alpes. Mmh. Donc j'ai créé mon activité d'agence de communication il y a plus de 30 ans maintenant. Et mon activité essentielle était de réaliser des supports de communication pour les prestataires de services autour de nous, géographiquement, donc en l'occurrence les stations, les agences de trekking, les agences de montagne, Montagne Magazine, Trek Magazine, etc. On faisait toutes leurs pages de com. Et en fait, j'ai développé mon activité dès le départ orientée tourisme. Donc la sensibilité de la montagne, tout ce qui est lié en fait à l'environnement et la nature, pour moi c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qui a été ancré en moi depuis des années, bien évidemment, puisqu'on vit, on est avec ça. Et à la suite de cela, eh bien, mon orientation maintenant tourisme va aussi en considérant ces éléments qui sont très très importants. Et ça va aller dans ce sens, puisque maintenant, ma destination, c'est l'Algérie, que l'Algérie. D'accord. Pour des raisons qui sont propres, personnelles, puisqu'en fait, mon papa étant de Tlemcen... C'est un hommage un petit peu à votre papa. Un petit peu, parce que voilà, j'ai eu l'occasion d'aller voir sa tombe en février de cette année. C'est là où le déclic s'est passé. Voilà, c'est passé. J'ai mon activité qui fonctionne très bien depuis fort longtemps. Mon réseau qui fonctionne très très bien. Le tourisme... J'ai vécu dedans depuis fort longtemps et il s'est passé à un moment donné une connexion, un déclic de cette année. Je me suis dit, si j'ai quelque chose à faire maintenant, c'est effectivement c'est en Algérie avec tout ce que ça comporte. Bravo. Quels sont, on va dire, un petit peu les objectifs? Comment vous voyez donc cet échange en fait vers l'Algérie? Comment vous voyez ça? Alors, en fait, déjà, je l'imagine en sachant que l'Algérie, ce n'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense lorsqu'on pense tourisme. Je parle de quelqu'un qui est en France comme moi, qui connaît l'Algérie parce que je suis aussi d'origine. J'ai tout mon réseau qui aussi est d'origine. Et l'Algérie, pour moi, la destination, c'est retrouver, ou en tout cas découvrir ce pays qui n'est pas assez connu pour différentes raisons. Et à partir de là, ma volonté, ce serait d'imaginer faire des groupes, pour ne pas dire des petits groupes. Vivre local. Vivre local, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure comme sujet. Pouvoir palper, effectivement, et ressentir cette chaleur humaine, cette destination qui n'est pas assez connue. Moi, j'ai connu cette destination comme n'importe quel fils d'émigré ou enfant d'émigré. On est tous venus, entre guillemets, au bled quand on était petit. Mm-hmm. On est venus de temps en temps pour des affaires ou pour du loisir. Mais on n'est jamais venu en nous disant, viens en Algérie, on va t'expliquer, on va te montrer l'histoire, on va te montrer l'archéologie, on va te montrer les traditions, etc. On n'a pas cette démarche-là, on n'a pas eu cette démarche-là ou cette connaissance-là. Et ça, c'est une orientation qui m'est chère parce que, comme je disais tout à l'heure, je manque de culture de l'Algérie. Je ne connais pas réellement l'Algérie. Je connais juste pour prendre l'avion et puis aller faire ce que j'ai à faire en Algérie, mais je ne connais pas cette destination qui est aussi ma destination. Donc c'est dans cet esprit-là que des petits groupes vont être constitués pour découvrir le pays avec plein de diversité. Et c'est découvrir l'humain, c'est surtout ça que vous essayez de faire? Alors découvrir l'humain parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs pôles. Il y a la destination de l'Algérie, donc côté côte méditerranéenne. Donc moi, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui est également d'origine algérienne et qui s'est impliquée avec moi dans notre agence et qui, avec elle, est également une personne donc, qui est rentrée dans l'organisation, donc qui habite à Oran, puisque aujourd'hui, j'ai conjugué mes talents avec une compétence ici en Algérie. Locale, absolument. Et en fait, c'est découvrir effectivement les villes avec l'histoire et avec purement le contact humain et de l'endroit où on va se positionner.
en détail, c'est en fait loger dans des endroits typiques, oublier les grosses structures d'accueil pour les masses, en tout cas le tourisme de masse. Oui. Voilà, manger local, avoir le contact local, avoir des orientations, des petites, on parlait de randonnée tout à l'heure, trouver des tables d'hôtes, des chambres d'hôtes, découvrir un pays, découvrir voilà, on va des dire gens que vous voulez les faire baigner dans la vie quotidienne des Algériens, ne pas absolument, les, absolument. Ce n'est pas, on va dire ne pas les sortir. Vous voulez au contraire donc les faire baigner. Tout à fait, baigner justement, d'où l'intérêt d'avoir notre collaboratrice maintenant sur Oran qui vraiment s'est impliquée et va nous accompagner tout au long avec cette démarche de connaître et puis surtout d'avoir un contact. Hier, j'ai eu l'occasion de me promener hier soir sur Alger, sur la place des Martyrs. On est monté avec mon épouse, on est monté donc sur la Casbah, etc. Mais c'était un endroit extraordinaire. C'est là, je dis, mais c'est là où je me sens bien quelque part. Et pour moi, ce serait un aboutissement de continuer et de valoriser cette destination avec cette compétence, avec ces gens qui sont là réceptifs, avec ces gens qui sont identifiés, parce que j'ai eu l'occasion d'identifier des personnes et des structures qui sont demandeurs, qui sont demandeuses en fait de contact et de collaborer avec nous, parce que aujourd'hui on ne va pas refaire ce qui existe. Il y a des gens qui nous accueillent, les bras ouverts, ils ont un savoir-faire qui, à mon avis, aucun souci là-dessus en termes de responsabilité, parce qu'on amène quand même des gens de France avec tout ce que ça comporte, avec cette communication ou peut-être ces interprétations personnelles qui fait que ça freine un peu la destination. Mais dès qu'ils auront franchi la Méditerranée, ils arriveront à Alger, Oran, Annaba, Constantine, le Djoudjoura par exemple, le sud également, parce que le sud pour moi c'est un élément important, mais je pense qu'ils seront métamorphosés. C'est clair qu'ils seront métamorphosés. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et on va dire ravis surtout de vivre dans cette atmosphère, dans ce mode de vie qui est le nôtre, hein, qui est typiquement algérien, que dans n'importe quelle ville où on va, il y a toujours une petite particularité qui distingue, on va dire, une région d'une autre. Monsieur Miziani, tout à l'heure, je reviendrai à vous dans avec un plaisir. Moment. Donc, on parlait donc de tourisme de montagne et surtout le danger. J'aimerais qu'on revienne sur ce point-là. Donc, le danger de partir, de s'aventurer comme ça en montagne en pensant que faire quelques kilomètres et revenir, c'est chose aisée. Or, qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, donc, il y a quelques jours de cela, un incident. Malheureusement, ce n'est pas le dernier incident parce que depuis maintenant 6 ans environ, nous avons du côté de Tijda, pour ceux qui connaissent le Djoudjoura, du côté de Tijda, et au niveau du mythique lac Goulmim, il y a un lac, il y a eu toujours des accidents en hiver, et, y compris en été, puisqu'en mois de juin passé, il y a eu un décès au niveau du lac, dans les environs du lac. Pourquoi il est décédé? Parce que, bon, il y avait un temps qui a changé, du soleil vers les pluies et les brouillards, ainsi que la nuit qui tombe un petit peu, c'est une surprise pour certains. Donc il y a des incidents, il y a des accidents. Il y a des accidents mortels, malheureusement, il y a eu plusieurs morts dans le Djoudjoura, suite à certaines randonnées. Voilà, donc on peut voir donc à l'image l'intervention des secouristes donc pour venir en aide à ces gens-là. Oui, ce sont les images que vous voyez là, ce sont les pompiers du GRIMP, le groupe de recherche et d'intervention au milieu périlleux de Tijda, avec lesquels j'ai fait un petit reportage. Ils faisaient de la simulation. Une simulation de sauvetage en haute montagne, pendant la neige. Donc, je les ai suivis. Comment qu'ils font? Ils ont un travail. Ce sont des professionnels, ce sont des gens qui sont formés pour les sports, pour les secours en haute montagne. Ce qui s'est passé il y a le 8 décembre, c'est que le groupe venu d'Alger, d'une agence de voyage, que je ne citerai pas ici, ils sont venus malgré mes alertes. Je les ai avertis dans leur page, je leur ai dit ils sont partis le vendredi, donc le jeudi, y compris le mardi d'avant, je leur ai dit, il vaut mieux changer de plan. Vous avez le plan A, il ne sera pas réalisé.
cette traversée du Djurdjura, de Talaguilef vers Tijda. C'est combien de kilomètres, monsieur Mziani? C'est pas du kilométrage, on peut prendre, je le fais en été, mois de juin et mois de juillet, pendant 8h à 8h30. Donc en décembre. 8h30 de oui, marche. Oui, 8h30 de marche, 8h à 8h30 de marche. Ça c'est pendant l'été. Très bien. Donc en mois de décembre, c'est impossible avec une agence de voyage qui inscrit les personnes, les participants, grâce à une publication sur Facebook. C'est faux. On ne connaît pas l'état de santé de M. Nordine, on ne connaît pas l'état de santé de votre soeur ou bien votre fils. Donc, on inscrit les gens dans le tas et on les prend. Mais non. Il y a aussi le matériel. Il y a le matériel, par exemple. Voilà, donc aujourd'hui, on a du matériel aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, pour certains, ceux qui connaissent la montagne, actuellement, avec l'ensoleillement depuis 4 jours ou 5 jours, la neige qui est sur la hauteur de notre montagne, elle est complètement gelée. C'est une couche d'environ 30 cm, elle est totalement gelée. Quand elle est gelée, prenons l'exemple de cette chaussure, ceci, ce sont des crampons de neige. Des crampons, je ne sais pas à la caméra si on peut voir ça. Exactement. On est en train de les voir. Ce plastique, je le joins, c'est-à-dire c'est venu de l'étranger, c'est une chaussure sur laquelle j'ai mis ces crampons. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Donc, ce sont des crampons de neige. Quand c'est gelé, on peut marcher dessus. Mais quand on n'a pas ce type de matériel, nous ne pouvons pas avancer. Même si nous avons de belles chaussures, de bonnes chaussures de randonnée. Celle-ci, c'est une bonne chaussure de randonnée. Mais on ne peut pas avancer. On risque de chuter. Et si on chute, on a la hanche, on a les pieds, on a les mains qui peuvent être fracturées facilement. Et qui peut nous sauver de ces hauteurs où il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de route. Donc nous sommes en pleine montagne. Pendant les neiges nouvelles, j'utilise beaucoup plus ça. Quand on parle de matériel, ça c'est une raquette de neige. Voilà, on marche avec, on avance quand c'est une neige nouvelle pour ne pas s'enfoncer. On peut avancer sans s'enfoncer. Donc, si nous n'avons pas ce matériel, pourquoi s'aventurer? On ne doit absolument pas s'aventurer. Et en prenant avec nous des gens vulnérables, des personnes vulnérables, âgées ou bien malades. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce que mon rappel aujourd'hui, parce que je l'ai fait plusieurs fois, mon rappel à ces agences de voyage qui ne sont pas, ce n'est pas la majorité, hein. Mm-hmm. Certaines, elles font un bon travail. D'ailleurs, je les remercie. D'autres groupes de randonneurs avec leur association, ils doivent se rappeler que la montagne, malgré qu'elle est belle, elle demeure dangereuse. Elle demeure dangereuse même pour des professionnels. Y compris nous. Si je me proclame guide ou bien professionnel, malgré tout, je ne m'aventure pas. Je ne peux pas m'aventurer au péril de ma vie. Donc, s'il vous plaît, arrêtons. À cause des selfies, je vais prendre des gens à cause des selfies pour avoir des j'aime, des milliers de j'aime. Voilà. C'est pas logique ça. Voilà. Le tourisme. Mais la plupart, on va dire, beaucoup de gens vont plutôt pour admirer la montagne. Exactement. Ils sont nombreux. Ils existent. Ces amoureux, ces vrais amoureux de la nature. Et, tout à l'heure, Monsieur Nordine parlait du tourisme. Moi, je lui ai dit que je suis un militant écologiste. Mais on a pu concilier ce tourisme durable qu'il prône avec ce que je suis en tant que guide et mon militantisme pour la nature. Donc nous pouvons travailler. D'ailleurs, je lui ai parlé de visiter les villages de la Kabylie, les villages de Mouloud Mamri, de Idir, le village de Simo Humhand, chez moi Ozwadia. Donc nous pouvons faire un grand travail de collaboration. Et j'ai insisté sur le fait qu'on n'irait pas à l'hôtel, on irait dans des chambres et des tables d'hôtes. Justement, on est d'accord. Parce que dernièrement, au mois d'octobre passé, j'ai reçu deux jeunes françaises, deux jumelles de 25 ans, ce sont des sœurs jumelles. On a fait un circuit de 7 jours, de Wadia, Atiani, Benyani, Michli, Aïn Hammam, jusqu'à Tijda. Le dernier jour, on l'a passé à Tijda. Pendant 7 jours, elles ont passé un merveilleux séjour chez nous, dans la pure tradition. On a même fait les bergers.
Nous avons fait, oui, on a suivi un berger avec son troupeau de chèvres. Monsieur Kadour, oui. Donc j'imagine que déjà vous avez une idée comment vous allez mettre en place, ça vous donne des idées. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Pour vos futurs. Absolument, absolument. Alors, quand j'ai pris en considération que je devais faire quelque chose pour souvenir et surtout en direction de l'Algérie, j'ai commencé ma démarche en février. J'ai abouti administrativement parlant en France. C'est très lourd de monter une agence de voyage en France, comme ailleurs sûrement. Il y a beaucoup de garanties, de cautions, etc. Ceci étant, j'ai abouti à cela. Et entre-temps, donc, j'ai visité, j'ai rencontré des gens en Algérie. J'ai fait beaucoup de voyages en Algérie. J'ai eu l'occasion d'aller sur le CITEV cette année, puisque c'est le Salon international du tourisme et des voyages. J'ai eu l'occasion, le privilège de croiser Monsieur le ministre, qui m'a accordé un moment, qui m'a confirmé, parce que je disais, Monsieur le ministre, je suis là pour, entre guillemets, faire mon marché. Mon marché, ça veut dire quoi? Autour de moi, j'ai un étal avec des choses extraordinaires, de toutes les couleurs, à charge pour moi de prendre ce qui est le meilleur, qui me correspond le mieux. Effectivement, on a parlé beaucoup du Sud, etc. Il m'a confirmé effectivement cette démarche, en tout cas cette facilité administrative au niveau du visa, bon, pour les agences françaises comme nous, obtention du visa par le biais donc d'agences réceptives en Algérie. C'est une formalité pour nous qui est hyper light, très très facile maintenant. On envoie nos éléments en PDF et arrivé sur place. Les agences identifiées avec qui nous avons un partenariat, eh bien, nous attendent en tout cas à l'aéroport et les douanes, l'administration, les douanes en fait nous délivrent le visa, on paye le visa sur place et ça donc, c'est ça vous, extraordinaire. Vous facilite, ça c'est extraordinaire. Ça facilite les projets que vous avez. Ah, complètement. Pour moi c'est royal. Alors moi j'ai un autre volet, c'est qu'en fait on va travailler donc sur le nord, on va dire, de l'Algérie. Donc là on n'est pas dans cette procédure là. Donc on a toujours la procédure administrative, donc on va être obligé d'avoir notre contact auprès de monsieur ou madame le consul, etc. Donc on va avoir une démarche classique, ça ne pose pas de problème. Dans notre activité, dans notre réseau, les consulats de la région Rhône-Alpes, en tout cas, on a déjà une bonne approche avec eux, ça se passe très très bien, etc. Donc on a cette facilité-là maintenant, je pense que ça ne posera aucun problème. Et puis donc, justement, pour en revenir au CITEV, j'ai identifié, donc non seulement j'ai créé un partenariat avec un groupe réceptif, une entité réceptive d'ITT, la Sotamon Rasset, donc ça a été l'objet d'un grand très protocole bien. À Topresa à Paris. Et aujourd'hui, un autre projet qui va être en place, c'est que je crée un événement tourisme et immobilier algérien en France, notamment à Nice. Très bien. Tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kadour. C'est avec plaisir que j'étais avec vous ce matin. Pour toutes ces précisions. Et on souhaite de bons séjours à vos touristes, aux merci touristes beaucoup. Qui viendront visiter l'Algérie. Merci beaucoup, Monsieur Mziani Atekfaha. Donc, merci de... On arrive à la fin de l'émission, mais vous reviendrez. Vous oui, inquiétez pas elle m'a demandé de lui passer bonjour. Salut, Madame Nouara. Merci, Madame. Vous passez le bonjour, Madame Nouara. Teksaha. Pardonnez-moi. Les services de sécurité, ils m'ont demandé de le remercier. Les services, la protection civile et les services de sécurité qui ont pu sauver les personnes qui se sont égarées à Tel Aviv le 8 décembre passé. On les salue, tout le monde. Merci beaucoup, on arrive à la fin de notre émission. Restez sur les programmes de Canal Algérie. Je vous dis merci et à l'année prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.